Au cours des années mouvementées, un livre de voyage a vu le jour. De toute sa vie, il a arpenté la moitié de la Chine. Bien qu'il ait subi de rudes épreuves, il a écrit, de sa vie, une légende dans l'histoire de la géographie.我就知道不知道，我就叫了，我那快跑了，三反下来，那跑不及，这个是掉下来太快了，速度。他医生我都不知道，我从这边跑还是从那边跑，我就不知道感觉了。差不多小时，我就在这，我在那个病危院，我在床上，什么也讲不清楚。就是2009年的3月4号，晚上，这里发生了一处这个叫危岩崩塌，就是这个当时的现场了，看这个大块的石头。另外呢，在下方呢，就是这这里这个位置呢，有个工棚，造成了当时是4个人死亡的惨剧。 Ce qui est plus inquiétant est que rien que dans le quartier urbain de Guilin, il existe plus de 2000 endroits où se trouvent des rocs aussi dangereux. On voit partout des panneaux avertisseurs placés aux endroits dangereux. Les caractéristiques du relief de la région de Guilin sont qualifiées depuis toujours d'œuvre du génie. Pourquoi cette ville célèbre pour ses beaux paysages et montagnes et eaux est-elle exposée aux catastrophes géologiques? Après avoir consulté de nombreux livres anciens, nous découvrons que nous partageons les doutes d'un vieillard d'il y a plus de 300 ans. Est-il possible d'éviter ces catastrophes géologiques dont la menace se cache derrière ces beaux paysages? Il a exploré Guilin et y a laissé ses innombrables traces. Cet homme, c'est Su Xiakre.又是徐霞客，每到一处呢，徐霞客总是能够目光独到地选择到这处风景与那处风景所不同之地。就比如说，在桂林这个自古以来文人骚客争相称颂的风景胜地，徐霞客看到的是什么呢？徐霞客想了解的是什么呢？他想了解的是在这奇异风光底下所隐藏的自然之谜。 为了揭开这个谜，他必须先要找到一个能够让他鸟瞰整个桂林的地方。那这个地方是哪儿呢？ Pour connaître par cœur le relief terrestre de Guilin, il a fixé son choix sur le pic d'Ousiou dès son arrivée. Le pic d'Ousiou, le plus célèbre à Guilin, se situe sur la rive ouest du Lidian. Il se dresse solitairement sur un terrain plat et occupe la meilleure place pour embrasser tout Guilin. Il y a 300 ans, l'aspect naturel de Guilin était tout à fait différent de celui de l'actuel Guilin, où il y a une forêt de grands immeubles. Su Xiakre a décidé d'explorer le relief terrestre à fond, afin de dissiper les doutes écrits dans les livres. L'escalade du pic d'Ousiou serait la première étape pour réaliser son plan, mais cette idée s'est heurtée à des obstacles infranchissables. Sous la dynastie des Ming, le pic d'Ousiou était le symbole de l'autorité suprême locale. Le prince Dingdiang, administrateur de Guilin, avait fait construire un jardin luxueux en appui du pic d'Ousiou et un ensemble de palais splendides, d'une superficie de 180 000 m². De par 46 épigraphes calligraphiés sur les stèles par les princes ou les Ming, nous pouvons en connaître les grandes lignes. En tant qu'explorateur non gouvernemental, Su Xiakre n'avait pas la qualité de mettre le pied sur le sol du fief princier. Wang Zhenggong, fonctionnaire de la dynastie des Song, s'était exclamé d'admiration après avoir escaladé le pic d'Ousiou. Le paysage de Guilin est le plus beau sous le ciel, mais Su Xiakre n'avait pas cette chance. Ne pouvant pas escalader le pic d'Ousiou, Su Xiakre a décidé de voir les stèles près du roc à 7 étoiles.
dans l'espoir de trouver, sur les inscriptions des ancêtres, quelques indices sur les changements du relief terrestre de Guilin. Or, une chose imprévisible est arrivée. Lorsqu'il avait demandé à quelqu'un d'estamper une inscription de la stèle, Susiacreux s'est fait escroquer. Celui-ci ne voulait pas lui donner l'estampage accompli sous prétexte qu'il ne l'avait pas fait pour raisons climatiques. Susiacreux a demandé à son ami Jingwen, moine, d'aller avec son domestique chez l'estampeur réclamer l'estampage. Ils sont allés le chercher pendant 3 jours de suite, en bravant la pluie. Finalement, ils sont tombés tous les deux malades. Bien que l'estampage ait été récupéré, Susiacreux n'a rien trouvé d'intéressant qui expliquerait le relief terrestre particulier de Guilin. Pour ne laisser passer aucune chance, Susiacreux s'arrêta à chaque endroit que représentait une originalité. Quand ils sont arrivés à Liuzhou, la maladie du moine Jingwen ne s'était pas atténuée. Ne pouvant pas faire autrement, Susiacreux confia Jingwen et son domestique aux soins d'un de ses amis. Puis il partit tout seul pour le district de Zhongxian. Le district de Zhongxian se trouve dans une région montagneuse aux paysages fantastiques. Comme à Guilin, les catastrophes géologiques se produisent régulièrement à Zhongxian. Susiacreux s'est mis en route, espérant déchiffrer le code de la catastrophe et trouver une réponse pour dissiper ses doutes. En 2009, les experts de l'Institut de géologie karstique de l'Académie des sciences géologiques de Chine sont venus à un ancien affluent sur la rive est du Lijiang. 4 mois auparavant, ils avaient découvert tout près, dans une rivière souterraine d'une grotte karstique, des poissons aveugles. Le but de leur mission était d'explorer la rivière souterraine et le changement de la géologie souterraine en hiver. On dit qu'à l'époque, Susiacreux y était venu faire une exploration. Mais on ne sait pas s'il s'agit de la même rivière souterraine parce qu'il y en a partout des rivières souterraines et des grottes karstiques au Guangxi. L'exploration de ces dédales souterrains joue un rôle non négligeable pour prévenir aujourd'hui une catastrophe géologique. Après Guilin, il poursuivait son chemin et voyait les rivières contourner les montagnes verdoyantes. Le roc Zhenxian s'appelle communément la grotte Laozun, patriarche du taoïsme, et est l'un des hauts lieux du taoïsme. Il y a des inscriptions sur la paroi rocheuse de la grotte calligraphiées par des lettrés. Selon une légende, la grotte abrite une stèle portant inscriptions calligraphiées par l'empereur Taizong de la dynastie des Song, dans lesquelles celui-ci a donné le nom de grotte du patriarche au roc Zhenyan. Face à de si nombreuses inscriptions sur la paroi rocheuse, Susiacreux ne pouvait pas rater cette occasion. Pour imprimer les inscriptions sur le papier en haut de la paroi, il a transporté une échelle. Dans son livre de voyage, il dit que du fait de la pierre glissante, il s'est glissé au genou en tombant de l'échelle. Cette blessure inattendue a retardé son départ. Il était obligé de séjourner 13 jours au roc Zhenyan. Mais ce n'était pas la raison principale. C'est une rivière souterraine cachée dans les profondeurs de la grotte Laozun qui a effectivement attiré Susiacreux. Aux temps anciens où les équipements scientifiques manquaient, chaque exploration signifiait un enjeu de la vie. Par instinct, Susiacreux croyait que cette rivière souterraine sinueuse de la grotte recèlerait un grand mystère. Pour entrer dans la rivière souterraine, il fallait un navire. Susiacreux a demandé à des pêcheurs du village de transporter le navire dans la grotte.
Du fait que le navire était lourd et que la distance entre la rive et la grotte était longue, les pêcheurs ne pouvaient pas le faire entrer dans la grotte. Un pêcheur a proposé de faire un radeau sur la rivière de la grotte. Alors on s'est mis à abattre des bambous et on les a attachés ensemble avec des lanières de rotin. Voilà un radeau fait. Puis les villageois sont entrés dans l'eau. L'un d'entre eux tenait la perche sur le radeau, la scène était chaleureuse et émouvante. Susiakreu a vu ses vœux exaucés. Il est entré pour explorer la rivière souterraine. Dans la grotte, Susiakreu a vu un spectacle étrange, dit « les lunes surgissent dans la grotte », décrit dans le livre ancien. Le soleil jetait ses rayons sur deux extrémités du ruisseau, comme si deux lunes surgissaient de l'eau. Pas étonnant que Susiakreu soit exclamé « Zhenxian est le premier site sous le ciel » et ce spectacle est le premier de Zhenxian. Dans l'objectif de notre caméra, la rivière souterraine paraît floue. À quelques pas de là, tout est noir. Nous avons alors la respiration un peu haletante. Nous pensons qu'à l'époque, Susiakreu avait probablement assisté à la même scène. Susiakreu a noté qu'il avait rencontré un boa dans la grotte. À l'époque, dans la grotte profonde et ténébreuse, Susiakreu a vu un boa de plusieurs mètres de long pénétrer sous un roc. L'exploration de la rivière souterraine était très difficile. Elle le sera également aujourd'hui, même si l'on s'appuie sur la science et les techniques modernes. La rivière souterraine recèle de nombreux secrets de la tectonique que nous souhaitons découvrir. Peut-être est-ce la principale raison pour laquelle Susiakreu voulait explorer la rivière souterraine 300 ans auparavant. Alors est-ce qu'il pouvait y trouver la réponse désirée? Susiakreu avait l'impression que l'exploration de la rivière souterraine lui avait permis de s'approcher de la réalité. Il a pratiquement affirmé un fait. L'eau avait joué un rôle décisif dans la formation du relief karstique. Que ce soit à la surface de la Terre ou dans la rivière souterraine, tout endroit qui est traversé par l'eau peut offrir un spectacle variable. Mais Susiakreu se pose une nouvelle question. Quelle tectonique a donné à l'eau courante un pouvoir magique susceptible de fendre la montagne et de percer la pierre? Vingt ans plus tard, Susiakreu, excité, est revenu à Liuzhou avec des dossiers qu'il avait recueillis. Là, il a découvert que l'état de santé de son ami Dingwen ne s'était pas amélioré. Ils sont retournés à Nanning, mais la maladie de Dingwen s'est aggravée. Susiakreu était obligé de laisser son ami à Nanning et il est parti avec son domestique pour le Guangxi du sud, où se trouvaient partout des pics karstiques. Il n'aurait pas pensé que cette fois, son départ deviendrait une séparation pour toujours avec son ami. Au cours de son voyage, Susiakreu a appris la mort de Dingwen. Triste, il a écrit 6 poèmes d'affilée pour rendre un hommage attristé à la mémoire de son ami. « Je suis bouleversé d'avoir appris sa mort. Je ne sais pas si je pourrai revenir vivant. » Quand il est parti, c'était au début de l'automne. Quand il est revenu au temple Chongshan à Nanning, c'était au cœur de l'hiver. Dingwen a laissé un testament, espérant que Susiakreu emporterait le sutra Fahua qu'il avait copié de son sang et ses cendres au mont Didu dans le Yunnan, afin de combler son vœu. Susiakreu et le moine Dingwen étaient des amis intimes,
Maintenant, avec la mort de Dingwen, leur amitié profonde s'est arrêtée là, dans un pays étranger. Au cours des 4 dernières années de sa vie, Susiacreux voyageait et écrivait son journal en notant les montagnes, l'eau, les roches, les grottes, les arbres et les pierres, apparues sous différentes formes. Après la mort de son ami, il poursuivait son voyage, sans abandonner son exploration du relief terrestre particulier à Guilin et dans la région du sud-ouest. Un malheur lui est arrivé brusquement. À Guizhou, les frais de voyage de Susiacreux ont été volés par un de ses nouveaux bagagistes. La perte de l'argent n'a pas attristé Susiacreux, mais les cendres de Dingwen éparpillées à terre lui ont fait de la peine. Avec tristesse, il a ramassé les cendres sur la terre et porté lui-même ses bagages pour continuer son chemin. Le charme de la nature réjouissait son âme et son cœur. Après avoir bu de l'eau de source, gagné par le sommeil, il s'est couché à l'intérieur d'une chaumière. Réveillé, il s'amusait avec des singes et contemplait des oies sauvages. Pour révéler le secret du relief terrestre, il n'a pas laissé passer les grottes de passage. Par cela, des accidents lui sont arrivés. Un jour, au pied de la montagne, Susiacreux a fait une nouvelle découverte. Il a vu une grotte dans le lointain, au sommet de la montagne. Il a décidé d'aller la voir, laissant son domestique garder les bagages. La pente était abrupte. La grotte qu'il a vue se trouvait en fait à plus de 500 mètres de là. Faute de sentier sur la montagne, il grimpait tantôt transversalement, tantôt obliquement. En haut, la pente était plus abrupte. Après 200 mètres, la pente était couverte de terre meuble. Quand il s'agrippait à des herbes, il les déracinait tout de suite. Il était obligé de monter très doucement. Par inattention, Susiacreux est arrivé devant un roc escarpé. Il avait les pieds tendus, les mains cramponnées et le corps contre la paroi. Le corps semblait dur, mais en fait, il était meuble. Un faux pas aboutirait à une conséquence fatale. Sans bouger, il réfléchissait. Il tentait de trouver une pierre immobile pour poser ses pieds et ses mains, puis se déplacer en l'air, pas à pas. Heureusement, il n'y a pas eu de chute de pierre. Mais il avait les bras et les jambes en coton. Il avait l'impression de tomber en bas. Après, il a dit que cet endroit était le plus dangereux qu'il ait jamais traversé. Après avoir exploré l'escarpement, il a découvert que la descente de la montagne était un grand problème. Il a trouvé une pente moins abrupte et est descendu en glissant suivant le relief de la montagne. Pour contrôler la vitesse, il saisissait avec les mains des racines d'herbe. Quand il a retrouvé son domestique, il lui a dit qu'il avait échappé de peu à la mort. Ce qu'il a dit ne montre pas son regret, mais de la fierté. Après avoir escaladé la montagne et exploré la grotte, Susiacreux est venu dans un village et voulait acheter du riz à un villageois. Mais il n'a trouvé que 30 sapèques dans le sac dont le contenu avait été perdu lors de la descente de la montagne. Sous la pression des circonstances, il a ôté sa veste doublée, sa robe de soie et ses chaussures, et il s'est mis à crier dans la rue pour les vendre. Heureusement, un passant a acheté la robe de soie au prix de 200 sapèques.
Ainsi, le problème de la nourriture et du logement a-t-il été résolu? Au cours de son voyage, Su Xiaokreu a adopté une attitude indifférente envers les difficultés qu'il rencontrait. Su Xiaokreu a parcouru des milliers de kilomètres et exploré les régions calcaires couvrant 500 000 km² dans les provinces du Yunnan et du Hunan. Il a noté tout ce qu'il avait entendu et vu dans son livre de voyage. En tant que premier spéléologue chinois, Su Xiaokreu a dénommé le relief karstique souterrain, écrit fidèlement la structure des grottes et la genèse des stalactites, et donné son point de vue sur ces phénomènes. D'après lui, la grotte a été formée par l'érosion de l'eau. La stalactite, qui se forme par la concrétion calcaire après l'évaporation des gouttes d'eau. Sur la base de son bilan du relief terrestre de différentes régions du sud-ouest, il a fait des analyses et des comparaisons. Ainsi a-t-il tiré au clair les différents reliefs terrestres. Su Xiaokreu a souligné que la forêt de pic se concentrait dans la région de Luoping, dans la province du Yunnan et district de Daoxian au Hunan. Il a regroupé le relief terrestre de la forêt de pic en trois régions, celle du Guangxi, celle du Yunnan du sud et celle du Guizhou du sud. Le Guangxi est caractérisé par le relief terrestre des montagnes de pierre. Au Yunnan, ce sont principalement les montagnes de terre, mais apparaissent parfois des fossés de pierre, des stalagmites et une forêt de pics. Le relief terrestre du Guizhou présente les caractéristiques entre celui du Yunnan et celui du Guangxi. Il semble que, de son point de vue, corresponde aux avis de la science moderne. Il est vrai que Su Xiaokreu avait un talent exceptionnel dans ce domaine. Selon la théorie de Su Xiaokreu, l'éboulement de roc au pic d'Indi à Guilin, cité au début de notre film documentaire, a été dû à l'érosion de l'eau de pluie depuis de longues années, qui avait rendu les rocs meubles et fissurés, et la tempête qui s'était déchaînée ce jour-là était un des importants facteurs causant cette tragédie. Le 13 décembre 2008, à l'Institut de géologie karstique de l'Académie des sciences géologiques de Chine à Guilin, dans le Guangxi, a eu lieu la cérémonie du dévoilement de la plaque du Centre international de recherche karstique, patronné par l'UNESCO. C'est le premier centre de recherche au monde ayant pour champ d'investigation principal la géologie. Aujourd'hui, les échanges internationaux de coopération se multiplient de jour en jour. Le livre de voyage écrit par Su Xiaokreu il y a plus de 300 ans joue même aujourd'hui un rôle très important dans la prévention des catastrophes géologiques.其实现在有不少人都会按照徐霞客游记去追寻他的脚步，受到他的影响。那么对于徐霞客本人而言，有没有人曾经用他的文笔、用他的一些记录去启发、鼓励、影响过徐霞客呢？有，那这个人会是谁呢？
Ce type de tapis, disposé à l'intérieur d'un palais à la cour, fit son apparition pour la première fois comme objet utilitaire à l'occasion d'une cérémonie religieuse. Plus tard, il se développa progressivement en un symbole de la magnificence et de l'autorité. Et derrière les beaux motifs fastes, le tapis a une valeur dépassant de loin son utilité. Cette pièce est un tapis de palais typique au style de painting. Le motif central, de forme ronde, s'appelle Dragon Kwe. Des franges sont disposées aux quatre côtés comme bordures, avec des motifs identiques aux quatre angles, qui sont baptisés motifs d'angle. Dragon, franges et motifs d'angle constituent les caractéristiques essentielles d'un tapis de palais au style de painting. Ce style original traduit le vœu du peuple chinois pour la paix et la prospérité du pays. Le designer se charge du dessin du tapis de palais et les artisans se chargent du tissage. Un tapis à l'issue de son tissage a déjà ses motifs et ses couleurs attrayantes. Mais il nécessite un traitement plus poussé pour atteindre une plus grande finesse. La surface du tapis composée de nœuds de laine n'est pas très unie. Les artisans se mettent à peigner dans le sens des fils, à enlever les disparités et à couper les fils inégaux pour que le tapis soit poli et plat. Ainsi traité, le tapis de palais se présente dans une parfaite égalité de longueur des fils prévue au design. Le tissage soigneux et l'aménagement méticuleux font du tapis de palais une magnifique œuvre d'art. Dans la salle de l'entretien de la tranquillité, où séjourna l'impératrice douairière Cixi à la cité interdite, le motif de la pivoine dans le tapis de palais bleu foncé respire la noblesse de la famille impériale. Aujourd'hui, pour améliorer la valeur décorative du tapis de palais, les artisans ont élaboré une technique connue sous le nom « coupe à trois dimensions ». Si le tissage est un art additionnel, la coupe est un procédé réductif. On pousse et on coupe. Un pétale, une feuille se précise et commence à s'animer. La coupe traditionnelle s'exécutait avec des ciseaux. Elle demandait beaucoup de temps. Le progrès scientifique procure à ce processus une tondeuse électrique qui améliore grandement l'efficacité du travail. Mais le recours à cet appareil demande une plus grande expérience et un niveau de précision plus élevé à l'opérateur. La coupe de ce tapis à l'aide d'une tondeuse électrique nécessite au moins un mois de travail. Le processus de la coupe est non seulement la poursuite des travaux de confection, mais aussi une amélioration créative du dessin pour que le motif donne l'impression du relief. Le développement de la société moderne a rendu possible l'invention de nouveaux outils pour la confection du tapis de palais et lui fournit aussi de nouveaux éléments créatifs. Les motifs se multiplient de jour en jour. Des techniques de la peinture à l'huile moderne ont été intégrées aussi au design du tapis de palais. Cet art antique témoigne non seulement de la gloire des dynasties antérieures, mais aussi de la prospérité de la civilisation moderne.